Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. On est parti pour 90 minutes. Marquinhos. Non, ça manque d'application. Le ballon sort en touche. Donc il va vite sur ce côté. Le débordement à droite. Il glisse le ballon en profondeur. Énorme occasion. Oh oui, c'est dedans. Aucun round d'observation, le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. La bonne passe. Ça, c'est une interception parfaite. Sterling. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est joué long. Voilà une bonne occasion de contre. Ouverture vers le poteau de corner. Dans l'espace. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. L'ouverture lumineuse, ça peut partir en contre. Bien tenté. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Un centre au cordeau. Le gros dégagement. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il joue dans l'espace. Oh, Cristiano Ronaldo. Pour trouver la faille dans la défense. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est osé. Il écarte, il joue sur l'aile. Modric. C'est pas mal la manière dont ils défendent. L'entraîneur semble vouloir éviter d'encaisser un deuxième but avant la pause. Modric qui récupère ce ballon. Ander Herrera. Oh, Cristiano Ronaldo. Rabiot. Et c'est directement récupéré. Oh, Cristiano Ronaldo. Il joue dans l'espace. Allez, c'est dangereux. Oh, but. Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Mais non, hors-jeu. Il est peut-être signalé hors-jeu sur ce coup-là, mais Cristiano Ronaldo, le bougre, ne se laissera pas abattre pour autant. Il va continuer encore et encore. De Bruyne. Il choisit la profondeur. Il cherche son coéquipier.
William. Ça manque un peu de solution. Et ce ballon sur l'aile. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il vient monter. Azpilicueta, qui se montre intraitable dans ce match. Marcelo, qui est servi sur cette bonne transversale. Modric. Marcelo, qui a un peu d'espace. Cristiano Ronaldo, qui choisit le côté gauche. Oh, très bon ballon. Une occasion, ça peut être dangereux. Et voilà, but. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct, sans regarder le but. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Cristiano Ronaldo, il est passé. Repiqué dans l'axe peut-être. Il envoie le ballon. Et cette tête. Et c'est au fond. Ils font le break dès ce début de match, ça part fort. Ça c'est du jeu collectif, il passe de défense en attaque à 100 à l'heure, et au bout, il y a but. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Alors, que va-t-il faire? Ander Herrera. Rabiot. Long ballon dans le sens du jeu. Et il continue de progresser. Il glisse le ballon en profondeur. Jolie passe lobée. Pour trouver la faille dans la défense. Non, il était hors jeu sur cette passe. Oui, il y a en jeu, quel dommage, quel dommage, il y avait un superbe coup à jouer là. Quelle reprise de volée. Oh, le but. Yes, goal. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. On ne s'attendait pas à un tel écart, c'est incroyable. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période.
Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. On est parti pour 90 minutes. Nous avons un attaquant allemand à l'ancienne sur le terrain, Grégoire, un certain Karl-Heinz Riedle. Ouais, il en a marqué des buts importants dans sa carrière. Exact. D'ailleurs, il est très fort dans les airs. C'est simple. Son surnom, Grégoire, c'est Air Riedle. Oh, Cristiano Ronaldo. Dans la profondeur. Oh, la frappe! C'est repoussé! Oh, c'est un arrêt important, ça! C'est un super arrêt! Fine save! Oh, la tête! Di Maria. Bonne intervention défensive. Rabiot. Et la porte s'est refermée. Ça peut être extrêmement dangereux. Pour trouver la faille dans la défense. Plus que le gardien à battre. Le drapeau ne s'est pas levé. Oui, il peut frapper là. Et c'est au fond, au but. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il ne fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Oh, Cristiano Ronaldo! Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Cristiano Ronaldo. Il file vers le but! Bien joué ce tacle. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Belle passe lobée sur l'aile. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Oh, voici Di Maria. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Un bon centre dans la surface. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Oh, très bon ballon. Le Paris Saint-Germain va frapper le corner. Smalling, il va frapper le corner, bien sûr, il est tellement dangereux dans cet exercice. C'est dégagé, loin devant. Alors, que va-t-il faire? Il joue en profondeur. Oh, Cristiano Ronaldo! Il est lancé vers le poteau de corner. Dans la profondeur, bien vu. Attention, la frappe! Paulinho, il décide d'allonger le jeu. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il reçoit le ballon. Un centre bien placé. Quelle détente! Le poteau! C'est une occasion! Il glisse le ballon en profondeur. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont concédé ce premier but, ils sont bien plus solides défensivement. C'est pas mal. Casemiro. Oh, il a bien vu son coéquipier. Ce ballon bien dosé. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ouverture vers le poteau de corner. Di Maria. C'est centré dans l'axe. C'est repoussé par le gardien. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, le contre, l'arme fatale. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il file dans l'axe. Belle passe lobée. Ander Herrera. Cristiano Ronaldo. Ronaldo.
Faut que ça va partir vite. Il a pris tout le monde de vitesse. C'est bien conservé. Cristiano Ronaldo. Il est à distance de tir. Aucun danger pour le gardien. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Cristiano Ronaldo, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Un ballon intéressant. Quelle précision. Oh, il l'a récupéré. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Il écarte le jeu. Ah, il est bien monté. Ce contre peut très bien aller au bout. Il percute côté gauche. Qui est le premier sur ce ballon? Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. En retrait pour repartir proprement. Il joue en profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Coquet. Cristiano Ronaldo. Ride-le ! Quelle parade de Fermín ! Bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Et la tête ! Oh, il marque ! Comment ? Il compte maintenant deux buts d'avance. Très bon corner, et évidemment, il en a profité. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Cette possession un peu stérile. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Le gros dégagement, s'il le trouve, ça passe dans l'axe. Le bon dribble. Fauché dans la surface, ça va leur coûter cher. Oh, pénalty! Et je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. C'est une occasion unique de prendre le large. Il faut réussir son geste maintenant. Repoussé par le poteau. Quelle occasion! Il n'y a pas 50 pénalties par match. C'est vraiment dommage de rater une occasion pareille. Smalling qui cherche la profondeur. Paulinho. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Et encore une Di Maria. Et voilà, but. Ça va pas mal, même non, mais... Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout, là. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. On joue sur l'aile, il est servi. Et ce ballon sur l'aile. Un centre. Bien, le gardien, il capte. Di Maria, il décide d'allonger le jeu. Coquet, qui a un peu d'espace. Il est lancé vers le poteau de corner. Il allonge. Oh, l'interception! Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Cristiano,
Cristiano Ronaldo. Quelle intervention! Oh là 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 là, c'est pas possible! Le plus dur a été fait, il s'est mis en position de tir et il manque son dernier geste. C'est incroyable! Rappelons qu'ils ont déjà encaissé un but sur corner aujourd'hui. Oh, il a complètement manqué son dégagement! Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Rabiot. La passe dans la profondeur. Ça manque un peu de solution. Il va provoquer. Pour trouver la faille dans la défense. L'interception, bien joué. Voilà une bonne occasion de contre. Mais ça sort en touche. Il choisit là-bas, sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Casemiro. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Et il tombe sous la pression. Mamadou Sakho qui dégage le ballon. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. C'est bien fait ça. Bien joué ça. C'est Di Maria qui centre. Hors jeu apparemment. Le gardien loin devant. Cristiano Ronaldo qui choisit le côté gauche. Oh, très bon ballon. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Bonne interception, il y avait danger. Oh, Cristiano Ronaldo. Dans la profondeur. La belle inspiration. Bien servi. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il écarte le jeu. Il est bien monté. Il est bien placé. C'est une occasion, ça! Di Maria. Bonne course, côté droit. Il repique dans l'axe. Ça peut être dangereux. Mais le cadre se dérobe largement. Voilà, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Il glisse le ballon en profondeur. Il récupère le ballon. La passe dans la profondeur. C'est joué long, attention. C'est bien donné. Il y a danger. Oh, Cristiano Ronaldo. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est puissant sur l'aile. Ce sera un coup franc, bien sûr. C'est dégagé. Encore 2 minutes dans les arrêts de jeu. Ride-le. Ça va vite. Il écarte, il joue sur l'aile. Il tente de la jouer dans l'espace. La passe interceptée. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Il y avait 3 divisions d'écart sur la pelouse aujourd'hui, ça s'est bien vu. Et vraiment beaucoup de choses à revoir aujourd'hui dans cette équipe. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Oui, il paye très cher ce but encaissé en début de match. Ça leur a mis un coup au moral, ça s'est vu, et à partir de là, tout était plus compliqué. On s'est régalé d'arène, vraiment, tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt.
On the side, people 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 on the side, and you're 46, that's your life, what's going on? It's just another fact of life for me.